Merci à célébrer ce retour de notre carnaval après 3 années où nous avons été privés des grandes jauges que nous connaissions par le passé, mais surtout de partager ce que nos prédécesseurs ont imaginé en 1873, puisque 150 années plus tard, nous renouons avec un tas de traditions qui avaient un peu disparu et qui incarnent notre véritable identité, notre véritable culture, notre véritable héritage tout simplement, que nous sommes heureux de faire partager avec ces si nombreux visiteurs venus du monde entier. Welcome to everybody, bienvenue à toutes et à tous. Et welcome, naturellement, je suis heureux de célébrer ce thème, tout simplement parce que nous avons eu la fierté, il y a maintenant un peu plus d'un an. Je veux saluer ceux qui nous font l'honneur de leur présence parmi nous, naturellement le grand artiste d'art contemporain que l'on connaît par ses congues, Richard Orlinski, qui est à nos côtés aujourd'hui, et qui expose dans le village du carnaval comme aux galeries Lafayette. Et je vous invite vraiment à aller découvrir son talent qui est absolument extraordinaire. Je veux saluer notre reine de carnaval, Manel Soualia. Puis je veux remercier celle qui nous a fait briller à The Voice, à Danse avec les Stars, et notre niçoise Carla Lazari. Merci Carla de nous donner autant d'émotions chaque fois que tu apparais sur le petit écran. Et enfin, monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, je veux vous remercier parce qu'avec nos militaires, ceux qui naturellement nous ont offert ce spectacle, mais ceux de la force sentinelle, ceux de la gendarmerie nationale, avec notre police nationale, avec la police municipale qui s'associe à la police nationale en toutes circonstances, c'est grâce à ce que vous garantissez de sécurité un événement comme celui-là que nous pouvons l'organiser. Ils sont trop souvent vilipendés et je demande à chacune et à chacun de dire que nous sommes fiers de notre police, fiers de nos militaires qui sur tous les terrains garantissent aujourd'hui notre sécurité et nous permettent d'organiser des événements de cette dimension internationale. C'est grâce à tout cela, à tous nos agents de la ville de Nice, à tous ceux de ma équipe événementielle qui depuis un an travaillent déjà sur l'organisation de ce grand retour avec ce 150e anniversaire du carnaval au roi du monde, en saluant tout le conseil municipal de Nice qui m'entoure, et c'est en son nom et avec mon épouse Laura que nous vous souhaitons à toutes et à tous de vivre les plus beaux événements qui soient dans les 15 jours qui viennent. Et je crois que cet après-midi déjà va donner l'illustration de ce rendez-vous à nul autre pareil. Grande et belle fête pour ce 150e anniversaire du carnaval de Nice, roi des trésors du monde.